lot of hustle and bustle for a small town. Luckily, there wasn't any collateral damage. They didn't even put up a fight. So everything's still up and running, like nothing happened. Sucks we gotta buy our own stuff, though. How tight-fisted can you get? The army can't sign off on luxuries like alcohol and meat. Je comprends qu'ils veulent faire les gentils, mais en théorie, c'est les gagnants. Sur un territoire qui est occupé, ils pourraient tout prendre gratuitement. Not even sweets? Raz, you're going to pay me back double for that bacon. Otherwise, I'm taking some of your bread from every meal. Fine, you win. I'll bust open my piggy bank and buy out all the bacon in town. Hey, Miles, you can come with. I'm good. I was gonna go look for tank parts with Claude. Apparently, some of the shops here stock Imperial tech. If nothing else, Empire knows how to make a tank. Just get over here, you moron. Huh? Come on already! Huh? Wait, Claude! I'll make sure they don't get into too much trouble. Huh? Is Kai really that hungry? Oh, Rags, wait! Where are you going, boy? After sitting for so long, he probably wants to go... That makes two of us. Yeah. No. Shall we get going then? Go where? After Rags. I don't want him scaring the townsfolk. Of course. We're kind of his owners, after all. Huh? I can get down myself, thank you very much. Sorry. Oh, mon dieu. Hurry up! We're gonna lose sight of him! Oh, right. J'ai l'impression de regarder un manga. Never thought I'd see you playing matchmaker. Ah, shut it. You wouldn't be here if you didn't want to give them some alone time too. Yeah, I can't expect them to forget the past. But it makes me feel awkward just watching them. Not that I'm making any assumptions. I just hope this doesn't blow up in our faces. Well, they're not the only two who get some alone time. No. Huh? What do you mean? Damn it, you can be dense sometimes. I meant that you and me can, you know... Hey guys, what are you talking about? Never mind, forget it. Raz, where are you going? The butcher's back here. What do you mean you're all out? Are you refusing service to the Federation Army? Sorry about him. He's got low blood sugar. Calm down, Raz. You're obviously sold out. Not a single piece of jerky? He's gotta be holding out on us. I'll ask if there are any other butchers in town. Mon dieu. Mystery solved. Someone bought out their entire stock. What kind of sneaky rat bastards did that? Another squad. One that got here before us. Just give it up, Raz. I'll settle for bread instead of bacon. Fluffy white bread. Fresh out of the oven. Ils sont bizarres, ces gens. Sure does love kids. Such a good boy. Yeah. It takes a rare breed to make it into special ops. For dogs and humans. Wait, hold on. You're talking combat support? Oh, you didn't know? Ragnarok isn't a pet. He's our squad mate. Has his own rank and everything. No way! Karen thinks he used to be a rescue dog trained up in the northern mountains. And when we found him wandering around our camps, he was just a stray, so we took him in. Pretty soon, he
started helping out with rescue missions. Wasn't long before he became our first official canine unit. Well, you're a good, good, good boy, Rex. Oh, look at the big doggy. Mommy, can I pet him? Oui, oui, c'est un chien de l'armée adverse qui vous a qui a gagné. Are you okay? She's all right. Come on, honey, don't cry. Can you stand up? I'm sorry. My daughter didn't mean to bother you. Oh, it's no trouble at all. Apologize to the nice soldiers. Now. Mom, you said I shouldn't talk to the Federation. What? That's not what I said no talking to strangers. Let's go, Riley. I guess we're unwanted guests here. Ah, sans déconner. Federation may have taken the town peacefully. Ah. To them, we're still foreign invaders. Oui, vous êtes toujours des envahisseurs, même s'il n'y a pas eu de combat dans la ville et il n'y a pas eu de mort. I knew that coming in, but it's rough. Oh mon dieu. Come on, Rax. Let's go, boy. Hold up, Claude. Do you think this shop has those parts Miles wanted? Ça, par contre, c'est plus intéressant. Récupérer des pièces de tank. This must be the shop Miles was talking about. Wow, they've got everything. Oh, wow. It's all made in the Empire. Craftsmanship is unbelievable. Come on in. Oh, pardon me. Welcome, sir and madam. I must say, you have quite the discerning eye. Mais lui, il se ferait fusiller. Il est très accueillant. C'est quand même l'armée adverse, quoi. We don't get high quality goods like this too often, especially this far west. How'd you get your hands on Imperial tech? Black market? Mais ça fait partie de l'impérial. More or less. Let's call them unofficial channels. The parts themselves are legitimate, of course. The Empire was in such a hurry to retreat, they left all sorts of cargo lying around. Ah, lui, il est juste là pour s'en mettre plein les poches, en fait. Sure, but selling it out in the open? Oh, I'm just skimming a little off the top. This junk's a drop in the Imperial bucket. One army's trash is another's treasure. And I'll be here when you're ready to buy. Thanks. See ya. Oh, wait! Your squad isn't heading north, is it? Probably? Most likely, yes. Then you should watch out for the Winter Witch. It's an old legend around these parts. Come wintertime, the north grows so cold that everything ices over. Everything! Horses can't move, guns won't fire. Frozen in time by the Winter Witch's curse. So what, it's a big blizzard? That's fine. This war will be over before the first frost. Besides, it's just another fairy tale. All stories have a kernel of truth. The Imperial Army's no stranger to the blizzards of the North. And they'd sooner fight the entire Federation than be caught in the Winter Witch's claws. I'll keep that in mind. Thanks for the heads up. Don't mention it. I just like you two. Seeing a happy couple in wartime reminds me of when I was young and in love. Hold on. It's not like we're dating or anything. Ah, no need to be shy. It's not like it's against the rules. Actuellement, si. Dans l'armée, tu peux pas faire ça. War makes you forget about what's really important. With death all around, it's easy to forget how to live. Ah, putain, c'est énorme ce jeu, j'adore. Peace and love. That's what this world needs. Settle down, raise a family, grow old together. I told you it's not like that. All right. Whatever you say. Well, this isn't awkward.
Hope you lovebirds live happily ever after. On peut revenir sur sur on achète des parties de tank au lieu de faire n'importe quoi. On va voir si on peut maintenant. Oh, hey Claude. Enfin, on peut pas acheter à proprement parler, donc je dirais augmentation peut-être. Voilà, il y a rien, donc c'est des chars sûrement. Non. Peut-être après. Unreal. I don't know who bought out the entire bakery. But I will find them, and I will kill them. Wow, okay. Kai, over there! It's the food bandits! Them. They're from Squad F. Damn it! Give me back my meat! Hand over that bread now! No! What are you doing? We're on your side. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Oh no. They're fighting each other. Claude, you gotta stop them. Stand your ground, brave knights. Don't let them take a single slice of Lieutenant Victor's bacon. What are you idiots thinking, stacking the bread that high? It's going to get squished. Hey! Get your paws off my ham and my jerky! Enough! Cease this at once! Crystal, did you order this mountain of food? Well, yes, ma'am. What's going on here, Minerva? Your jackbooted thugs tried to rob us of our supplies. Only because you jackholes bought everything out in the first place! All of it was purchased out of my own pocket. Is it a crime to support local businesses? It is when other people go hungry because of it! Where's that covered in your code of chivalry? Not only that, it may stir up anti-federation sentiments from the townspeople. I'll have to report this to HQ. Laisse-moi le bénéfice du doute. Ça va pas être de l'anti-fédération si tu achètes. Les gens vont plutôt être heureux. Sauf s'ils sont très très patriotiques et refusent ton argent, mais... Now see here. It's true, a knight must show compassion. I'll allow Squad E to challenge us for it. Mais après, les escadrons devraient partager, c'est complètement débile. We're both proud warriors, you and I. Let's settle this in a mock duel. On the off chance that you win, we'll share our food. Assuming that could happen in 1,000 years. And if we win, to the victor belong the spoils! Minerva, these brutes aren't worthy of your mercy. They took my bread, Claude. My fluffy bread. I'm taking it back. Fine. But if we play along with Minerva's game, we're playing to win. Squad E, suit up. On va s'entretuer au milieu de la ville, c'est ça? Hell yeah! I'll show them how far a man will go for meat! What? Mais c'est des cinglés! Ah, j'adore! Ils sont complètement fous! This is a mock battle between squads F and E. Ah, simulation avec des vraies balles encore! Manquait plus que ça!
Apparemment, nous avons été plus rapides à établir le campement sans rancune, Cloud. Le premier escadron a capturé tous les camps et l'autre escadron sera déclaré vainqueur. Nous utiliserons des balles à blanc, mais chaque impact sera tout de même douloureux. Les soldats touchés seront considérés morts et devront partir, pas de sauvetage. Pas un vrai combat, mais je le prends très au sérieux. Ça serait drôle que les ennemis vraiment arrivent pendant qu'on fait ça. Donc il n'y a pas de sauvetage. Okay. Oh, on peut pas mettre un tank. Oh, si, il est en tank, Claude. Mais what? Let's go. Let's do it. N'importe quoi. I'll watch over you. Ready anytime, sir. Ready anytime. Aileen Millenia. On va prendre Kai. I've got this. Raz. Il est où Raz? Lock and load. Riley. My turn. Ah, c'est pas mal. Pas mal ça. Enough talk. Let's do this, Claude. This may be a mock battle, but Squad F is deadly serious. I expect no less from you. Squad E, move out! Le tank était pas censé être un peu amoché ou je sais pas quoi. Non. Ha! I've been waiting to test my mettle against you. Didn't we fight enough back at the academy? That was before we were tempered in the fires of war. We shall see whose blade is sharper. Don't hold back! Has she always been... like that? Genre quoi, folle? Her personality hasn't changed, at least. Whatever she does with conviction. That's just who Minerva is. But as a commander, as a leader... might as well be a whole new person. Squad F has helped her grow. And vice versa. They're the best of the best. No doubt about it. Challenge accepted, Minerva. I'll give you all I've got. Donc Minerva, c'est quoi? Ah, elle est là, ok. C'est juste un éclaireur. Enfin, elle doit sûrement avoir des choses un peu spéciales. Il n'y a pas de tank rien. Pourquoi on a un tank contre eux? C'est n'importe quoi. Pourquoi on utilise un tank? T'es sérieux, Claude? Advancing. Salut, wrong turn. There they are. Enemy sighted. On utilise un tank contre nos potes. Et non. C'est énorme. Il est presque mort. Oh. Oh, ils ont un anti... Ok. Ça marche. Ça va, bon terme. On va passer par l'arrière avec Curtis. Understood. Enemies. Over there. I found the enemy. Enemy spotted. Commander Victor is impressive as always. I found the enemy. Oh la vache. Oh là 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 là.
going down! Enemy down. Sorry. Commence operation. On va... You have to use your brain. On va utiliser notre... notre nouvelle recrue. Ça va bien. Ouais, ouais, le jeu me plaît. Mais les histoires, c'est fou. Hein. Les histoires sont complètement folles. Là, il y a une échelle, on montrera après. Les mecs, c'est des grands malades, en fait. On va pas toucher ? Ah si, quand même. Là, on est en train de combattre un autre escadron. Pour des vivres, en fait. C'est du n'importe quoi, mais c'est fun. Tire. Yeah, bien joué. Found him. I'll show you what Squad F is truly capable of. Okay, cool. Understood. Voilà. Enemies. Over there. Où ça? Ah, en haut. Sorry, but I'm fighting for bread. Ah, j'aurais pu déjà prendre. Ah, c'est pas grave. I'm not scared of anything. On va faire le tank avec Laurent. Est-ce que les explosions sont à blanc aussi? Parce que pour moi, elles ont l'air d'être assez réelles. Je veux pas dire, mais... Now advancing. Alors on a fait une belle progression là, on a tué tout ce qu'il y avait devant nous en fait. Il y a juste un mec qui est sur le toit là. Excalibur here. Copy that, Rondite. Keep me posted as necessary. Accurate and precise. I'd expect no less from her. Qu'est-ce qu'elle a elle? Je suis sûr qu'elle va sortir avec un méga tank. I must lead or no one will. All units, follow my lead. Ah, elle donne des
ordres. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a combien de mecs avec elle? Deux? Oh la vache. Oh, Yes, t'en as tué un. Here I come. Non mais ça, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes débile ou quoi? Ah lui il nous fait chier. Mais on a un sniper avec nous. Oh merde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Oh putain, le combat d'autiste quoi. Oh putain! Elle, il faut la défoncer parce qu'elle va nous... Elle va tous nous tuer si elle fait ça. Hein. À 3 là. Yo. Yes, à nous. J'en connais qui vont se prendre des putains d'obus dans la tête. Ah bah, fallait pas faire chier, hein. Elle a esquivé. On se met à l'abri. This is an order. We're going on the offensive. I got this. Bam! Ouais, ouais, elle est morte. On vient de défoncer votre chef. Fermez votre gueule, hein. Moving out. Enemies. Over there. Et d'une. Commander Victor is impressive as always. Ah, c'est bon, le tank peut bouger. L'heure du tank. Ok, moving out.
Oh, mais il y a un tank là-bas. Aileen. Ah mais c'est Christelle en fait, c'est elle qui nous fait chier. Hop là, parfait. Cette salope, elle était trop bien placée. Bon, vous abandonnez. C'est quoi comme char, ça? Spumador, sally forth. Lamry. Yes, ma'am. Charge the enemy cap. Onward to victory, squad F. On your guard. Fallait le dire en français, ça aurait été mieux. En garde. Ah ! Aïe aïe aïe. Ouh. Ça va, c'est un débile. Oh. Papapapam. Ça va. Riley n'a pas tiré parce qu'elle est derrière les murets, c'est con. Parce que je l'avais mis au cas où, si jamais il y a un problème. Lui, il va peut-être mourir. Raz, vas-y. Oh merde, non, Raz. Tu vas avoir du mal à tirer sur Laurent. Curtis, faut qu'il tienne la position parce qu'il y a du monde. Voilà. Oh, tu peux pas lui mettre une balle. Non. Oh. Ça va. Par contre, c'est super dangereux ce qu'il est en train de faire, le tank. Là, on va se mettre derrière, on va le pulvériser. Hein. Y a pas à chercher. Hein. Oui, mettez-vous côte à côte. Ouais. Comme ça, les grenades vont être très efficaces, c'est bien. Ouais, ils sont pas côte à côte. Ah. OK. Smooth sailing. Follow Commander Victor. Too easy. Comme ça, il ne tirera pas. Show them what Squad F is made of. Face it, Squad. You've already lost. Ils sont très forts en tactique.
Ok, toi tu vas derrière. Et les tanks explosent. C'est des vraies explosions ou pas? Parce que là on est en train de défoncer votre armure. C'est pas grave. Mal joué. Commence opération. Too slow. That's what you get. Mal joué. Never shall we lose to Squad E. On va la jouer deux fois, on va aller sauver Curtis. Deux balles, tout de ma gueule. Too slow. Ah non, on peut pas les réanimer, j'avais oublié. Non, j'en. Ça va, elle est bien placée. Et on peut pas les faire revenir. Non, mais on peut en faire venir d'autres. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. On aurait pu leur enlever un point d'action, fait chier. Va falloir détruire le mortier parce que là il y a trop de gens au centre. Tout va bien. Non Laurent, non, pas sur Laurent. Too careless. No big deal. Adieu, Laurent. Ils sont tous là. T'as vu sur personne, toi. Understood. You have to use your brain.
Aha. Montre ta tête. Make them bleed. That's what you get. Voilà. Maintenant on peut rigoler maintenant. Ça va les mecs. On va prendre Kai avec nous pendant qu'on passe. Watch my back. Our commander is getting better by the minute. Come on. Ça, elle se met à... Elle se place où je regarde, c'est bien ça. Bon, bah il reste plus grand monde en fait. Elle a plus de balles, merde. Elle a 3 grenades. Now's my chance. Vous voulez pas abandonner les mecs, sérieux? On a gagné là. Lui changer son arme, elle. Quoique non, là, on va regarder ça. Ah, très bien. Et Kai, elle a tous ses points de pour courir, mais elle a suivi Raz. Ça, c'est vachement bien pour les unités qui courent pas loin, en fait. Ouais, Aileen, c'est la plus proche. Tada! Ah, c'était cool. Tout ça pour du pain et de la viande séchée. C'est bien. Squad F defeated? How could I let this happen? I'm so sorry, Commander. We've let you down. No, you all fought valiantly. I only let down myself. It appears I'm still no match for Claude. We've won the Clash of Classmates! Barely. I don't think we do half so well in a rematch. Minerva really is something.
Magnifique. Elle aurait pu nous défoncer quand même, hein, quand elle est venue avec deux mecs en plus. You certainly impressed someone in that last battle. HQ's sent you something nice as a reward. On a une médaille pour te botter le cul. C'est nouveau ça? Ah, bah, en parlant de botter le cul, botte militaire. Parfait. Parfait. Okay. 30 PA en plus, ah, c'est cool. Et là on a quoi? Ah oui, visée et anti-blindage. Des PA en plus. J'ai envie de les mettre sur Raz, les PA en plus. Comme ça, il ira plus loin et il peut prendre Kai avec lui. Ces anti-tanks. Anti-blindage. Plus 3. Faudrait de la vie en plus. Qu'est-ce sur qui on va mettre la vie? Aileen. Quoique non. Poudre supervisée, anti-personnel. Sur Brittany, on va mettre de la vie en plus. De toute façon, c'est juste des détails. C'est vrai que c'est le plus important là-bas. On a 19 000 points d'expérience. Content de te revoir, ouais, c'est ça. Arrête de me mentir. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu l'ordre qu'on a gagné. Faudrait que je regarde après. Je pense que c'est mieux le bonus sur les armes à multi-coups. Car ça vaut certainement pour une balle. Peut-être. You're now authorized to use rifle grenades. Try them out. Des lance-grenades. Les prochains qu'on augmente, je dirais sniper, c'est quand même bien les snipers. On va mettre les grenadiers à 5. Just do. Et après on augmentera les snipers. On va faire un tour voir les, grenades. Ah, on a des nouveaux trucs. Cool. Faut faire gaffe parce que ça coûte quand même cher. Attends, d'abord... Char. Caisse renforcée, PV en plus. A masterpiece. Almost seems like a shame to use it. PV. Notre tank devient super solide. Je crois qu'il a combien? Il a 3000 et 4. Ouais, il a 3100.
Haha. Je suis un peu lent à Tetris apparemment. Voilà, tout simplement. On va même les mettre là. Ah la vache. Oh, PA en plus, ça c'est cool. Wow. C'est vrai que comparé à un scout, en fait, il va pas super loin le transport de troupes. Alors que le transport de troupes, ça, c'est logique. Enfin, dans la logique des choses, faudrait qu'il aille très loin. Voilà, parfait. Non. Non, 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 non. On a les armes à faire. Oh. All done. Le truc un peu bizarre, c'est qu'on n'a même pas vraiment besoin de... créer certaines armes parce qu'on utilise celles de l'Empire. Bon, par contre, les... ceux-là, non. Ceux-là, il faut les créer. Alors, anti-personnel et anti... En gros, ça, c'est... c'est bombe dans les deux cas. Lui, c'est contre les tanks. Et lui, par contre, c'est que anti-personnel. Je pense. Ouais, 350. Ok. On peut augmenter le lance-flamme, même si ça sert vraiment pas à grand chose. On va l'augmenter. Notre argent baisse. Wow. Première fois qu'on a ça. Ah oui, lui, il a plus de portée. Okay. Un peu du mal à voir la différence en fait des fois. Il y a genre quelques points. Tant qu'on a de l'argent, c'est pas grave. Salut Saphir. Drop by whenever and we'll see what else we can cook up. Ça va, passez une bonne journée. Commandement. Okay, let's see. On a de l'anti-personnel, il est pas mal celui-là. Par contre, la portée est un peu pourrie. On pourrait le tester. Comme un vendredi. C'est le week-end!
Ça, ça a une portée de merde, mais ça a l'air d'être vachement puissant. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Non. Non, on a le lance-flamme. Ah, Riley. Là, on a de l'antipersonnel à mort, 350. 650 de portée, c'est cool. En fait, faudrait savoir si on combat des tanks ou pas. Simplement. Ouais, faut seulement changer par rapport à ce qu'on combat.